l'automne est déjà au rendez-vous et les milliards de feuilles mortes des arbres vont bientôt tomber. Et le plus souvent, elles bouchent les gouttières. Et ceci ralentit le drainage des eaux de pluie. Alors, comment protéger les gouttières des maisons? C'est ce que je vais vous démontrer tout à l'heure. Alors, comment installer les protèges gouttières des maisons? Eh bien, il suffit de placer un grillage perforé le long des gouttières. C'est un dispositif simple qui empêche l'obstruction de la descente des gouttières vers le bas. Il faut donc faire très vite avant la saison d'hiver, car lorsque l'hiver approche à grands pas, la maison peut être endommagée lorsque les eaux sont gelées. La protection des gouttières d'une maison est donc un élément clé de la toiture, car elle permet d'éviter les infiltrations des débris d'arbres dans les gouttières. Il est donc important de faire un nettoyage fréquent chaque année pendant la saison d'automne. Il faudra donc faire appel à un professionnel qui saura quoi faire pour protéger votre toiture. Il est donc important d'utiliser les protèges gouttières, car elles réduisent les impacts de la neige. Par exemple, le poids de la neige peut déformer les gouttières et l'utilisation des protèges gouttières est donc primordiale pour augmenter leur durée de vie. À titre de rappel, le froid, l'humidité et la neige peuvent engendrer des dommages conséquents si on ne règle pas le problème le plus tôt possible. Afin d'éviter toute surprise désagréable, il faut une inspection de haut en bas et prévoir les travaux nécessaires et des équipements pour le nettoyage. Un tuyau d'arrosage à pression doit atteindre le toit. Un échafaudage ou bien une échelle qui vous permet de voir tout ce qui est à l'intérieur des gouttières. Lorsque l'automne arrive, eh bien voilà les gouttières. Lorsque l'automne arrive, qu'est-ce qui se passe? Les feuilles des arbres tombent et viennent le plus souvent rester à l'intérieur des gouttières. Alors qu'est-ce qu'on fait? On protège donc les gouttières avec ce grillage qu'on appelle le gutter filter. Il est très facile à installer. Vous n'avez pas besoin d'appeler quelqu'un. C'est vrai que certaines personnes ont les difficultés d'utiliser l'échelle, c'est vrai, lorsque c'est en hauteur. Là, il faut avoir l'habitude. Okay. Alors, vous le prenez, vous prenez ce grillage, vous le mettez comme ça. Vous le mettez comme ça. Vous voyez? Et il entre facilement et vous soulevez les tuiles. Vous voyez, vous soulevez les tuiles et vous l'insérez. Vous l'insérez. Hein? Jusqu'au bout. Alors comme ça, les feuilles n'entrent pas. Alors, pourquoi on protège les gouttières? C'est tout simplement parce que lorsque les feuilles mortes tombent, eh bien, elles restent dans les gouttières, puis l'eau ne draine plus. Donc le drainage est bloqué. Et qu'est-ce que l'eau fait? L'eau remonte petit à petit vers le plafond. Et puis, au bout d'un certain moment, le plafond est endommagé. Bien, c'est vrai que lorsque vous avez la maison, vous avez l'assurance de la maison. Mais sachez que vous allez toujours payer la franchise. Et parfois, les gens n'ont pas d'argent pour payer la franchise. Et ils sont obligés de faire des réparations tous les jours.
Donc, c'est mieux de protéger ces gouttières, comme ça. Je l'ai fait là-devant. Ici, je continue. L'entretien des maisons aux États-Unis d'Amérique oblige les propriétaires à anticiper face aux dangers afin d'éviter les dépenses inutiles. Et en Amérique, time is money. Parfait Thierry Mbousse, depuis What Up, Silver Spring, Maryland ou Africa News, USA.